Allez, ça monte, hein. Alors aujourd'hui, la GoPro ne marche pas encore. La batterie était bonne hier soir. Bon. Alors je prends le chemin des douaniers entre la calanque de l'Hervine et Méjean. Je suis descendu par le vallon du Perrussier. Et là, je suis sur le chemin des douaniers. On va passer sur ce pont là. Et le rocher de l'Hervine, il est là. Là. Il y a une espèce de phare dessus. Et Marseille là-bas, au soleil. Je suis sur le petit pont au-dessus de la voie ferrée. Qu'on va encore traverser une fois d'ailleurs. Il y a un gars qui vient de s'arrêter avec son bateau là. Les ravines, le rocher. Ouais, tout est parti là. On est passé là-haut en fait. À pied, hein. Ben, on peut passer, on peut amener le vélo, on promène le vélo, c'est tout. Mais c'est pas grave, je savais ça. Et la voie ferrée qui file vers en Suez et Carrie, tout ça. Putain, je dois être à la moitié, 20 minutes. En fait, non seulement on marche tout le long, mais alors il n'y a pas de plat. Hein. Les marches d'escalier, c'est des marches de 50 cm de haut chaque fois. Plein de cailloux. Par contre, qu'est-ce que c'est beau. À mon avis, il n'y a pas grand monde qui descend se baigner l'été. Là. Plongeurs, peut-être. Ils viennent en bateau et se calent. Oh, on voit un caillou à fleurs dans l'eau là. Ouh. On dirait bien de l'essence, du gasoil, ça fait pareil. Bon allez, je continue, apparemment ça passe là-bas, sur le, où il y a le soleil. Et enfin Méjean. Une demi-heure. Si je compte les arrêts chaque fois pour prendre les photos, boire un coup, j'ai dû mettre trois quarts d'heure, voire 50 minutes. Et normalement je vais monter par là-bas derrière, il me semble. Il me semble bien, hein. Je sais pas, c'est la première fois que je passe par là. Bon, c'est calme là. Hein. Voilà, voilà, normalement il y a une piste qui remonte vers la Vigie. Je ne connais pas du tout. Par contre, je sais qu'une fois on s'est égaré. Et en Suez. Direction le canton, je suis au départ du vallon de Valtraigue. Au-dessus de Châteauneuf donc.